Imaginez que son propriétaire terrien les organes, ou c'est à Goudon. Lorsqu'on fait un jardin comme sous terre, on fait 50 000 gouttes pour année. Et puis, quand les gens qui viennent nous dire pour faire ça, on fait 50 000 gouttes, je vais 100 000 dollars américains. Est-ce que les réflexions qu'on a sont réflexions pour sauver l'agriculture ou bien réflexions pour sauver la tête? Je ne dis pas, en pile côté qui te fait le jardin, fin bâti, plein à caillé, plein léogane, plein du cul de sac, c'est un côté en pile manger te qu'on fait. Mais kounya, c'est kay seulement kap construit. Nous tous d'accord, phénomène ça nous se décrit à la, pas sans conséquence sous affaire manger dans pays ya. Mais, qui j'en problème ça ka résoud? C'est là tout débaillé. Et définitivement, c'est pas un dossier petit. Eh bien, dernièrement, technicien sauvant l'agriculture, yo te gen chance filmé professeur Alex Alexandre, yon doctorant dans secteur a qui t'a ba avis sous question. Qui ça nous doit faire face à ce phénomène ça? Pleine et en pile pleine en Haïti, nos capacités pleines. De ça plein les organes en plus l'autre plein la caille yo a urbanisé qui ça qui doit faire moi crois que c'est prévention nous doit faire par rapport à ça et non pour des remèdes à ça qui existe pour plus raison premièrement si nous disons pour résoudre ça qui là déjà les bons coûts économiques que nous pas qu'à supporter par exemple nous te dit et si nous dit nous avons qui nous prennent dans la voiture nous faire avec l'autre côté pour pleinement d'avoir fait jardin. Est-ce que vous imaginez qui ça s'adapte en termes de coût pour que vous déplacez mon zéro? Parce que si vous déplacez, il faut bailler au corps pour y faire carrément plus bien. Moi, je suis un petit peu de mémoire sur le plein de organes et de poser problème. Les gens qui ne font pas faire un corps et que les gens prennent des pour y faire carrément. Et l'idée, à l'innocence, je dis faut que tu empêches de faire carrément. Je dis ok. Imaginez que son propriétaire terrien les organes, ou c'est à Goudon. Lorsqu'on fait un jardin comme sous terre, on fait 50 000 gouttes pour année. Et puis, quand les gens qui viennent nous dire pour faire ça, on fait 50 000 gouttes, je vais 100 000 dollars américains. Est-ce que les réflexions qu'on a sont réflexions pour sauver l'agriculture ou bien réflexions pour sauver la tête? Et c'est là l'État besoin de jouer. Individu a la maximiser satisfaction par. Il faut que l'État crée un environnement pour que la possibilité va exister. C'est la possibilité pour vendre une terre pleinement qui ne peut pas exister. Ce n'est pas le monde qui ne peut pas venir, ni le propriétaire qui ne peut pas vendre. Moi, je suis en train de plein de gens, je suis en train de plein de gens, je suis en train de demander, comme l'argent, je vais prendre plein de building, je vais vendre. Parce que, avec un carreau de combien, n'a fait nous d'avoir 1 million de dollars. Donc, si vous côté carreau de combien, nous avons un carreau de. Je dis en Haïti 1 million de dollars. Donc, pour qui ça m'a fait jardin, c'est un terre que nous avons une fois pour tout nous faire 1 million de dollars. Maintenant, seule façon pour nous pas faire, c'est l'état de terre ça, c'est pour arriver à personne pas d'avenir pour faire. C'est seulement façon ça nous a résolu. Deuxième côté bagala, c'est le côté social. Là. Moi, je parle du côté économique. Ce n'est pas économique que nous empêchons ça, que nous détestons ça fait là. Le coût social, il y a des gens qui installent, qui créent des réseaux, il y a des gens qui la vie, c'est dans plein de ça. Donc, il n'y a pas seulement un cas qui a dépensé 200 000 dollars pour le faire, mais il y a un réseau de relations qu'elle a créé, qu'elle a perdu. Sous-dit pour la ligne de balai, pour la ligne de balai, pour la ligne de balai, etc. Donc, le coût est tellement élevé que je pense que l'État a besoin de tirer le son de sa tête déjà pour dire que non, mais je vais continuer. Et c'est la solution est passée. Kounia, je voulais féliciter parce que vous intéressez à le domaine agriculture. C'est un domaine qui a un pile risque. Nous comptons ça, mais tout son domaine qui charge opportunité et puis qui est important pour le développement Haïti. On continue de travailler pour venir l'autre image de secteur ça. Pas oublier de rester connecté avec nous pour plus d'idées.